Yo les gens, c'est Cimerio, du coup on se retrouve pour Dynasty Warrior 9, encore avec So. Eh ouais, j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini hier. Donc voilà, là je suis au chapitre 7. Je sais pas combien il y a de chapitres. Ouais, je suis quand même niveau 49. Hein. Je sais plus, hier, quand on s'est quitté, j'étais niveau combien? 38? Non? 37? Ouais, 39. ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか。白、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。 Bon, vous excusez, on fait quand même les quêtes secondaires, c'est quand même important. ご活躍ですね。 私もあなたに近づけるよう頑張ります。 Bon, ça y est, on a atteint le niveau 50. Avec So. ここの備えだ。一兵たりとも通すまいぞ。
Ça ira plus vite que j'ouvre la porte moi-même. Mais c'est bon les gens, on peut passer. Voilà. Pas de pitié. Bah voilà. Vous excusez sur parce que là il y a beaucoup de quêtes secondaires à faire. On va essayer de les faire vite mais. En fait, je me suis acheté un cheval. Parce que je vais pas vous mentir, en fait, il y a un trophée où il faut monter notre cheval au niveau maximum. Et... En fait, je savais pas comment on faisait. En fait, il fallait s'acheter tout simplement un cheval. Et après. Faut juste acheter un cheval. Puis voilà, après vous le montez et puis c'est tout. Voilà. Vous faites le chemin avec lui, il va monter de niveau. J'aurais su, j'aurais fait ça au début du jeu. Mais... Enfin, hop. Comme d'hab, on va ouvrir la porte. Voilà, tac. Et voilà, c'est fini. C'est plus rapide. En fait là ça va vite franchement parce que mon en fait mon R1 triangle augmente la puissance de mes attaques spéciales. Du coup ça va vite. Vous avez vu toutes les quêtes secondaires que je dois me taper? Bon, je sais pas si on va toutes les faire. Hein. Bon, moi je les aurais toutes faites, je pense. Mais là, vu que je fais une vidéo, je sais pas.
Alors je pense qu'on va en faire encore peut-être allez, celle-ci et encore une autre et puis après je pense qu'on ira à la quête principale. Parce que les quêtes secondaires sont pas on va pas se mentir, c'est pas super intéressant. Bah vous avez vu quoi, la quête secondaire, je l'ai fait en 2-2. Hein. Alors regardez, là on doit les vaincre machin. On va suivre la même stratégie qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va le grapper, on va y aller, on va le tuer, et puis voilà, on se rappelle. Bon, de toute façon, je suis déjà monté, on s'en fout. Bon, c'est parti. Hein. Non, il se bat avec deux épées. C'est parti. Bon, déjà, on va lui mettre une ulti. Ah oui, mon ulti dure moins longtemps. Hein, tout simplement parce que j'ai enlevé... j'ai enlevé un objet, bah l'objet qui faisait que j'avais une grande barre de mousseau. J'ai enlevé l'objet pour mettre un objet qui augmente, je crois, l'attaque ou qui m'apportait un élément. Bon, je sais plus. Donc, je pense qu'on va juste faire. Celui-ci, normalement je peux y aller. On va se rapprocher. Moi, ouais, si je peux me TP les gens, je vais me TP, vous inquiétez pas. Bah ouais, pour ça faudrait que je puisse lui parler. Katachikena Kuzonjimas, Sojin Samanimo, Doka Oshina Sakasai. Samo Oisogino Yos, Gama Santo. Parfait. Engun, Wana Michio Yuku, Dorenimo Jama Sassen. Ça c'est fait. Pas très loin, hein. Bon, allez, on y va. Bon, vous avez vu, je mets pas très longtemps à les faire, du coup. Quand même important, vous avez vu qu'on monte de niveau. Ah, j'ai déjà pris 3 niveaux, on n'a rien fait. Voilà, donc moi je vous conseille que si vous faites ce jeu, essayez de faire toutes les quêtes secondaires avant de faire la principale au moins. Bon là je sais pas si on va toutes les faire parce que c'est un peu long, il y en a quand même un peu beaucoup. Mais... Attends que les gens, je sais pas si je continuerai à faire des vidéos sur ce jeu après que j'ai fini Xoso. Après j'ai. En fait quand on a fini. Quand j'aurai fini Xoso, j'aurais pas fini le jeu. Ça c'est sûr. J'aurais juste fini l'histoire de Xoso. Donc je sais pas. Vous me dites si ça vous intéresse de voir l'histoire des autres persos ou pas. Bonjour, faites passer. Ouais,
Par contre, Soto est quand même pas ouf, hein, comme perso. La petite attaque spéciale gratuite. Voilà. On t'adore qui réalise que j'ai fini. Hop. On fait des kills gratuits pour augmenter. Toujours hein, les gens. Essayez d'augmenter gratuitement votre niveau. Ah, si vous pouvez, faut le faire. Hein. Donc là notre adversaire il est en face mais on n'a pas de bateau super, on va devoir y aller à la nage. S'en fout. Bon, on s'en fout. Moi, je m'en fous pas moi de ça, mais ça je peux le regarder de mon côté, vous voyez. Donc... Ah, coucou, je vais vous défoncer. Ah bah là les gens font un peu ça quand même. Hein. Si on vient, on défonce. L'adversaire et tu vois, enfin on repart. Voilà. Ce fut compliqué. Pardon. Alors regardez, en vrai on les a déjà presque toutes faites. Nous il manque celle-là. Enfin, je peux pas me TP. J'aurais pas pu être comme ça. Bon, au final, on les aura toutes faites, hein, les gens. Voilà, sinon, ça nous prend 2 secondes à faire. Bon, après on fait la quête principale, vous inquiétez pas. De toute façon ça ira pas. Ça ne prendra pas non plus beaucoup de temps. Hein. Là ce qui va prendre le plus de temps c'est que vu que vous, je vous laisse les cinématiques. En fait c'est ça qui va nous prendre le plus de temps, c'est les cinématiques. Les cinématiques sont quand même parfois très très longues. Hein. Ouais, moi de mon côté je les passe parce que bon j'en ai plus rien à foutre. Même si c'est intéressant, hein, faut avouer, mais... Enfin, ça m'a saoulé. Et dès que ça m'a saoulé, bah, je passe les cinématiques, hein, si vous voulez. Moi, je laisse les cinématiques que si ça m'intéresse. Je saute parce que je trouve que ça va plus vite. Hein.
Non, c'est mon cheval que venir dans l'eau. Apparemment. Il doit être en train de se noyer le pauvre. Il est con ce cheval. Pardon. Chargez. Merci cheval. Bon, il s'appelle Érable. Quel nom moins disant. Hop. Oh cette voix. Coucou. Putain, c'est avec des éventails. Apparemment. Bon, t'as l'air de voir, j'aime pas du tout. C'est très inévitable. Oh genre je me suis touché. Tenez, il me fait des roulades. Hop. Et voilà. Ce fut très très dur, il faut le voir. Oh cette voix. Bah allez hop. Oh cheval, t'es où? Ouais, c'est parti, on y va là. Quête principale, let's go. Donc on aura quand même fait toutes les quêtes secondaires. Bon, il faut avouer qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont baissé le niveau de la quête principale, je crois qu'il n'y en a qu'une. Non, si j'y dis pas n'importe quoi. Allez, on va faire la quête principale vite fait. Hein, on suit, de toute façon, on suit la stratégie de base. Hein, c'est on rentre et on va défoncer le boss direct. De toute façon, les petits sbires là, moi je les... moi je les tue de mon côté. Mais bon, si, il faut augmenter mon niveau, ça peut être bien. Ça peut nous donner des objets. Voilà, ça peut être bien. De tuer les petits bouffons, là. Là, pour être franc, on s'en fout un peu. Hein. Les petits bouffons, ils valent rien. Quand ils nous touchent, ils nous enlèvent un PV. Donc, bon. Bah moi, ils m'enlèvent un PV. Hein. Je suis niveau 52 quand même, maintenant. Bah allez, on va faire ça bien quand même. On a le temps. Hein. Et ouais, elle est pas... Je l'ai pas commencé il y a si longtemps que ça. Bon, ça va. On va accélérer quand même. Ah, vous avez vu, je fais des éclairs maintenant. Ouais, je fais des éclairs que quand en fait je fais des attaques surprise. Ouais, les attaques surprise, c'est quand vous voyez un triangle voilà jaune comme ça là. Vous voyez, j'appuie, je fais des éclairs. Putain. Putain, je dis que les sbires ils valent rien et je me fais défoncer par ce sbire de mort. Ça c'est
surprise. Alors, faut avouer que l'attaque spé de Soto est bonne. Ou l'envoie, je sais pas ce qu'il fait, il en fait clair. Ouais, il en fait des sortes de stalactites. Et il en fait une de glace. Ouais, vous avez vu, c'est intéressant, hein. Je fais les mêmes combos, bah, tout simplement parce que les perfs n'ont pas de combos. Okay. On n'a pas que ça à faire. Coucou. Hop là. Ah, quand vous voyez afficher un triangle, en fait c'est juste pour finir, on va dire finir votre adversaire, ça veut dire que si vous appuyez sur le triangle, il meurt. À part le triangle jaune qui fait l'attaque surprise, il y a peu de chances, quoi, si ça arrive, que des fois vous tuiez. Ah, bref. Que l'adversaire meurt sur l'attaque surprise. Ah, coucou. On va faire ça bien quand même. Ouais, calme-toi. Ma vénère. J'ai mis une attaque gratuite. Bon, nous le bouffon qui m'a attaqué. Je suis en premier. Et toi, je te reconnais. Il a résisté. Bon, pas longtemps, mais il a résisté. Ah, coucou. Elle vient mourir. Comment voulez-vous qu'il meure pas, le mec qui est niveau 34? C'est niveau 52, les gens. Bon, on va en faire quoi? Il y a presque 20 niveaux de différence quand même, hein. Si ça, je dis rien, hein. ここの向こう側に押し返せたか。先ほど石膏より報告がありました。西からこちらへ向かう一軍を吐く。ここで味方が損耗した今、これ以上の戦闘は厳しい。さあ、さあ、準備は完了。考慮を維持する。いえ。ここは関羽に考慮を取らせましょう。 そうすれば、なんだって。そんなことが石壁の戦い以後、劉備の軍師諸葛亮は劉備を孫権と対等ならば、中原への足がかりとなる慶州は何としても手に入れたいはず。この状況を利し、孫劉の同盟に楔を打ち込むとは。よし、純一の策に乗ろう。軍を上位。 Ok, donc le mec veut, parce que je pense que vu que c'est écrit en blanc, c'est un peu chaud à lire, hein, je l'ai vu ça sur les vidéos. Le mec veut qu'on donne volontairement un château ou je sais pas quoi à un de nos ennemis pour que ça crée une dissension, afin qu'il se foute sur la gueule, afin qu'on puisse venir par derrière, vous voyez. Genre ils se foutent sur la gueule, dès qu'il y en a un des deux qui est mort, on vient. Bim. Eh hey, coucou, c'est nous. Ah, en gros, de ce que j'ai compris de son plan, il veut faire ça.
une bataille pour Nanju. Je dois aller où? Ah, c'était pas fini. Ouais, c'est ça. En fait, on va laisser l'ennemi prendre une de nos parcelles de terre pour que, en fait, ils se foutent sur la gueule entre eux parce que voilà. Bon, vous avez compris quoi, un peu. Je pense. J'espère. Je lis même pas. Quoi? T'as vu quoi? Oh! Ah, on va faire prendre de deux! Pas de problème! Bon, il y a eu le problème. Bon, les gens, on fait ça et après. Et après, je voulais. Je crois qu'on tire d'ailleurs pour très longtemps. De toute façon. Pourquoi tu stresses? T'inquiète. T'as rien du tout. Ouais, mais vous inquiétez pas, vous tuez. Ah non, je l'ai pas tué, merde. Mais bon, on y va. Il n'y en a pas pour longtemps. Regardez, en plus il avance vers nous. C'est gentil. Oh coucou. Bon, on s'en fout. Non, j'ai dit je m'en fous. Nous, on va au boss. Bah, c'est pas le boss, toi. T'as pas qu'à être là, tu vois. Pas qu'à me faire chier. D'où tu te mets sur mon chemin. Je rentre chez toi. Bon après bon le jeu je suis d'accord c'est en normal mais bon. J'arrive. Bon on est quand même on va dire le général ou je sais pas ce que Soto est exactement. Bah si moi vu que j'ai avancé dans l'histoire genre maintenant je suis un duc je sais pas quoi. Mais en fait on m'a octroyé le rang de duc et je pars dans l'armée en fait. Je sais pas bon, je crois que je l'ai fait sortir en fait parce que... Là je l'ai tué. Wesh j'ai tué comment il s'est noyé. Oh, c'est la première fois que je vois un ennemi. Bon, bref, en gros, on est un peu... voilà, un seigneur. Oui, voilà. Putain, qu'est-ce que je suis con. Non, mais je viens de me rappeler. On est un peu le seigneur de nos terres. Voilà. Donc on n'est pas franchement censé trop se battre, hein. Bah ouais si quand même parce que tu vois on est le seigneur on doit démontrer sa puissance. Mais
En regardant, en fait, il dit oui, monseigneur. Voilà, lèche-botte. Eh ben non, on n'y va pas. Bah, vous verrez pas, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un petit... Non, y a pas de forgeron. Merde. Sinon, je vous aurais fait un petit... Un petit passage chez le forgeron, histoire de voir si on n'avait pas une nouvelle arme. On pouvait pas craft une nouvelle arme. Vas-y, le jeu est grand quand même. Regardez. Bam, 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 bam. Bon, faut pas trop regarder parce que regardez. Waouh, du noir. Pardon. Eh bah, du coup, on va s'arrêter là. Hein, que voulez-vous ? Alors, je vais vous montrer un peu mes trucs. Ça prendra pas super longtemps non plus. Alors, voilà. En lame, on a du coup la nouvelle qui fait quand même 144 en attaque. Quoi. Ça pique. Après, vous voyez, on peut se mettre des accessoires. Donc là, par exemple, ça attire les objets à moi. Bon, ça sert un peu à Walou. Ça me restaure 14 d'endu toutes les secondes. Ça, c'est bien si vous voulez courir. Ah là en fait c'est ça que j'ai mis, regardez, c'est pour augmenter ma résistance, j'ai mis ça à la place de mon ulti. En gros j'ai une meilleure défense quoi. Voilà. Ah si je vous montre un peu ce que j'ai. Je crois qu'on a une nouvelle gemme de glace là tout à l'heure, ouais. Vitesse d'attaque élémentaire plus 7, dégâts de la cavalerie plus 32, attaque élémentaire plus 12, dégâts d'attaque mousseau 23. Ouais. C'est pas ouf. Mais je crois que la mienne est mieux. Oui, c'est mieux. Points d'amélioration, bon, je vais pas les mettre les 9 points d'amélioration. Bah donc je vais sauvegarder. Ah, vous avez vu, perso jouable 61 les gens. Ah bon bah je peux pas sauvegarder. Bah vu que je peux pas sauvegarder les gens, moi je vous laisse là, allez. Je vous dis à plus.